Ouais. Bonjour VOD. Troisième VOD de la soirée. C'est moins chiant de passer par là que... Au niveau du lac, le radio voulait nous montrer, on a vu des gens de l'autre côté, on va les voir. Voilà, voilà. C'est vrai qu'on peut passer en bas aussi. Voilà. Ah oui, ah, bah c'est... ah oui d'accord, je pensais pas que ça reliait sur la petite plage. Bon, de nuit c'est sympa, mais je pense que de jour c'est mieux. Oui. Mais c'est joli. Oui. Bah, pardon. Ouais, elle était partie pour faire le tour. Ah merde. Ça va bonsoir. 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 Il y a un petit picori qui a peur de bonsoir. Rien ici. J'ai eu des gens se baigner à poil. Oui. Bah si, oui. Presque. Regarde les nudistes. Au papier. Ça. Ah monsieur Duke, vous pourrez peut-être m'aider. Oui. Qui était la dame rousse qui était avec vous? Bien. Ah, je pensais pas que ça ferait cet effet-là, mais... Ne parlez pas de ces sujets qui fâchent. Je voulais rentrer. Coucou. Non mais parce que j'ai aucune idée de qui c'est. Je vois plein de pénis de cactus. Ah, t'as passé un cactus encore. Ah bon? Ah merde. Désolé, on faisait le tour, on n'a pas vu, j'avais pas vu que tu étais pour parler. Et oui, puis faut mettre des lettres. Il faut mettre un haut à manche longue. Ah, mais c'est Georgia. C'est où les épines? Je vois petit peu dans le bras et dans le ventre, mais le tête petit peu aussi. Bon. Je vois tout le devant. Aïe. Bon. Je vais enlever petit peu, mais... On va enlever un peu le reste sur le bras. Attention. Tu donnes. Pas facile de comprendre ce qu'a dit. Je me concentre. Il y a carrément un écureuil qui mangera là. Oui, hein, on est d'accord. 2, 3, oui. Tac. Il est tout mignon, il est apprivoisé. Ah oui, mais là, ah, moi, putain, chez moi, il est mort maintenant. C'est... Oui, oh non. C'est... Ah, chez moi, il est pas mort. Ouais, non, mais si, que c'est... Si, ah, si, ça y est. Oh non. Ah si, là, je vous assure qu'il est mort. Je suis dévasté. Allez, une autre. Dommage, je l'ai picoré, hein, encore. Il était tout mignon. Allez, on va essayer d'en faire plusieurs d'un coup. Je vais en prendre... Ouais, 3. Attention. Allez, je vous le redépose. 2, 3. Oh bah, super. Il est moins mignon, bon, mais le ventre, il est... Je pense que voilà. Vaut mieux que je te laisse faire parce que ça va oui, faire mal. Ouais. Oui. Ah oui. Yes. Et bien du coup, Miss Georgia, qui était avec moi tout à l'heure. Oula. Bah ça se trouve, vous l'avez croisée déjà. Hein. Elle s'occupe des calèches, là, des Blackwater et tout ça. Le système de... Ouais, le transport de... Désolé, je fatigue un petit peu. Mais je savais pas qui c'était, du coup. Mais tout va bien. Passe une très bonne soirée. Ok, d'accord. Bah, je sais pas. Pourquoi vous avez l'impression de vous connaître? Bah, c'est pas ça, c'est qu'elle m'a appelé par mon nom, donc je me suis dit, bah, comment elle sait? Bon, bah, peut-être qu'elle a... Il y a des gens qui font attention. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vous dis, il y a trop de monde. Je n'arrive pas à retenir tout le monde. Ah oui, non, mais il faut au moins. Ah ouais, ouais. Au moins 3-4 fois pour que je retienne les gens, j'ai l'air. Ah ouais, pareil. Et donc, ouais, vous étiez dans. Baignade, du coup, là-bas. Qui va de minuit? Ouais. Et il était pas avec vous, Bénéval, non? Non, je l'ai vu plutôt dans la journée, mais pas depuis. Oh, ça va. T'es bien joli. Oui. Oui, et puis bon, bah vu que c'est un lac, finalement, elle est pas trop fraîche. Bah oui. Oh. Y'a pas tant de poissons non plus, quand même. Non. Pas tout de suite. Après, peut-être que c'est parce qu'ils ont nagé. Ça va peut-être revenir. Ah. J'en ai... Dis tout de suite si je t'emmerde. Oui, il a peut-être eu un mal de crâne. Oui, il est en train de faire plusieurs AVC là. Oui, il en a depuis tout à l'heure, il y en a quelques-uns. Ah oui, d'accord. Ah. Ça va, Denise? Oui, ça va. Je me demande si c'est pas parce que je l'intéressais pas que j'ai l'impression que j'étais en train de lui parler et il est parti. Merde. Je pense qu'il en avait rien à foutre de ce que je lui disais.
Et vous faites quoi, madame? Moi, je suis opportuniste. C'est mon négatif. Ah. Regardez, hop. Voilà. Ah oui. Je suis sa face sombre. Ça, c'est vrai, ça, en plus. Incroyable. Bon, c'est fait exprès aussi. Je m'étais déguisé en Red Duke pour la soirée déguisée de vendredi à Strawberry. Ah ouais. Du coup, j'ai voulu lui montrer, et puis bon, je me suis pas changé depuis. Ah bah d'accord. Voilà. Pourquoi pas, hein. C'est juste un premier membre de ma secte. Voilà. Ah oui, d'accord. Gros gourou. Eh oui. Bientôt on se prosternera tous. Ah bah de toute façon le... Vous le faites peut-être déjà, vous ne le savez pas encore. Oh. Putain, c'est pour ça. C'est vrai que la lumière va sur vous, regardez ça. Ouais, gros badi tout. Vous attirez la lumière. Le soleil va se lever dans cette direction. Le soleil va se lever vers l'est, vous allez voir. Waouh. Ray est grand. Ah mais moi j'ai pas d'arc. Il faut quelqu'un. Moi j'ai plus de flèches. Ah moi je les ai données. Non. Ah non. T'en vois pas. Je les ai données. Elle est là. Elle est là. J'oublie son nom. Ah si, Ben, le truc. Eldritch. Voilà, c'est ça. Au-dessus de toi, tu la vois pas? Juste au-dessus. Ah non, je la vois pas du tout. Ah d'accord. Ah oui non, il y a un truc bizarre. Moi je vois rien non plus. Il faut voir quoi? Toi tu la vois où la flèche? Ah là-bas? Moi je suis bourré, je vois pas la flèche. Ah. Ah mais je vais me piquer! Bah faut pas te piquer! Balancez-le dans le nez. Petit plongeon. La petite forêt. Oui, je suis revenu. Ouais. J'arrête, je sais pas, je saigne du nez aujourd'hui, c'est bizarre. On va peut-être te faire ausculter. Ouais, c'est ça. En plus, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, à chaque fois que je reviens, que j'ai mal à la tête, il y a une petite musique comme ça, un peu agaçante. Ah non. Moi, ça va. Moi, ça va aussi. Ah, oui, je me réveille de rêve. J'arrive à en faire fi. Ah, ah bah oui. Bah il faudrait que... Oui, faudrait que j'y aille. Toi tu files pas toi. Moi je file pas et du coup je dois me la taper en entier. Et c'est un peu... En plus c'est... Eh ben vous m'enverrez un petit missive et je vous expliquerai. Ah bah c'est bien gentil monsieur. Bah oui. Je vous enverrai ça par Telegram parce que... Ça, autant je trouvais que c'était sympa au début mais... Bon maintenant ça va, c'est... 24e fois. Voilà, c'est ça, j'ai fait le tour. Et puis aujourd'hui, vous. Ouais, puis aujourd'hui, là, ça fait 3 mois quand même. Oh, c'est. Ah! Oui, non, mais je. C'est vraiment très bon. La tempête arrive. Je vois, les... Ouais, ça se couvre un petit. Ça va se couvrir bientôt, oui. Bon, oh, des écureuils rousses, non? C'est là. La... Oui, ah, c'est un signe. Hein. C'est chez les natifs. Qu'est-ce qu'il voit? Il faut faire une danse. Normalement, il arrive de là-bas. Là. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, il y a un animal. Ah, l'animal oui. Légendaire. Ah oh, oui, je vois que ça bouge. Je vois un monstre de Gila à bande. C'est. T'as fait de la viande de reptile. Non, non, c'est. Non, c'est pas ça. Mais là. Bon, qui c'est qui meurt là? Ce coup-ci. Moi, c'est pas moi. Hein. Si c'est la série, c'est moi, hein. Attention. Oui, c'est sûr. C'est plus sur le bord. Voilà. Allez, viens. Et c'est quelle espèce? C'est quelle bébête? Un sanglier. Ah, un sanglier. Ah, sanglier. Oh. Ah, il est là-haut. Ouais, il est là aussi. C'est bon, il est mort. Mmh. Ah, de l'autre côté. Il est mort. C'est expéditif. Il est là-bas. Il est même pas là. Ouais. Oui, je vais le voir avant que vous le dépeciez. Oui, on va attendre un peu que tout le monde puisse le regarder. Mais il était super loin. Bah oui, mais il vient pas. Oh. Ouais, ah oui, c'est la belle. Oh, il est immense. Ouais, il vient vers nous. Hein. Attends. Ah oui, c'est un sanglier ça. Ouais.
J'ai envie de faire une photo. Moi j'aurais dit que c'était un dragon. Ah oh, oui, vas-y, monte dessus. Vas-y, monte dessus. Monte dessus, monte dessus. Attendez, laissez jusqu'à comme si c'était elle qui avait fait tout ça. Ah, ouais. On voit même pas. Attends. Je suis caché derrière le sanglier. Attends, attends. Il est immense. Attends, deux secondes. Il faut que je sorte l'appareil et tout, tac tac. Hop. Quelle classe, Kai. Ah oui, hein, quand même. Hein. Ça, c'est de la posture. Ouais. Pardon. Mais j'essaie de taper ce piaf. Désolé de vivre. Hein. Désolé. Mais non, mais il y a des piafs partout. Oui, oui. Non, mais j'ai bien compris. Tu te barres quand je te parle, tu mets un nion. Oh, mais non, mais non. Ouais, l'alligator qui fait 6 Kai. Il est mauvais. 6 Kai de long. Ah, super. Ah merde. Bon, ma Kai. Eh ben, écoutez. Hein. Non, ou toi, oh, ou Tim. Désolé, hein. Soit toi, soit Tim. Ça, c'est. Il a jamais récupéré le cochon. C'est mes saignements de nez, ça, je pense. Ouais. Bon, oh, bah, dis donc, je vous ai fait des bleus. Là. Bah, allez-y, moi, je l'ai pas chassé. Non, mais j'ai juste tiré dessus parce qu'il peut. Oh, il a trop. Vas-y, vas-y. Soit toi, soit Kai qui le récupère. Je sais pas, enfin, si je veux dire. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Oh, ça va être vachement dur quand même. D'accord. Et... Allez, c'est parti. Donc, ah, voilà. Je pourrais habiter là-dedans. Oh là là. Et vous devez mettre un appât spécial. Hop là. Mmh. Et voilà. Je pense qu'il devrait acheter des cartes ou je sais pas. Et incroyable. Quoi. Et du coup, bah, si t'es pas au courant, ce que tu récupères là, il faut le revendre au monsieur qui est au-dessus de Tumbleweed. Ouais. Ouais. Au-dessus. Au-dessus, au-dessus, ouais. Ah, mais faut pas s'attaquer à ça avec, avec un vieillard qu'à flèche et un couteau rouillé. Mmh. Bon, je crois que ça va en fait. Ils sont pas forcément très résistants, hein, ces animaux, quoi. Non, c'est pas. Mais ah, qui est pas profonde. Oui, non, non, ils sont pas plus résistants que les animaux normaux. Et ça rapporte pas mal de thunes. Ouais. Ah oui, par contre, ça rapporte. Ouais. Ah ouais, oui, bah, et du coup, les autres, c'est $20. Ouais. Ah oui, oui. Il faut connaître, faut connaître les appâts, tout ça. Il faut... Exactement. C'est pas tombé dans le reste d'un saut. Tu notes ça dans un coin, puis hop, tu peux. Ah oui, mais bon, on va dire, mais. Bah oui, c'est vrai. Il faut une carte, il faut quelque chose. Oui, je sais pas où ils achètent. Il faut aller voir le gars qui. Il y a un trappeur. Ou tel juste au nom de Tumbleweed. Animal, pardon. Vous voyez un braconneur ici. Oui. Bah, t'essaies de voir, tu te fais ton chemin. C'est lui qui donne pour les animaux spéciaux. Ah, il te vend les pièges aussi. Vous pouvez lui acheter. Il te dit, va là à telle heure avec la. Comment on appelle ça? Parce qu'il explique la même chose en même temps. Des infos ou des appâts. Je vais te glisser un petit papier dans la poche. C'est pas des appâts, c'est des traps, des. Comment on dit dans le pièges. Des pièges. Il vend des pierres. Des pierres. Et puis il vous dit où c'est et à peu près quelle heure. Ah, d'accord. Donc ça peut changer de spot. Jim, c'est quoi dans votre famille? Je crois que, par exemple, à chaque fois qu'il dit. Ah bon, il a CV? Non, non, c'est partout ouais. Dans les. Ah, quel con. D'accord. Par exemple, à chaque fois qu'il va dire le sanglier, il va dire que c'est ici à telle heure. Mais... Donc quand vous le savez, vous pourrez revenir le lendemain. Ah, c'est bon à savoir ça. Le refaire. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas besoin d'appât, il y a juste besoin d'être au bon. Merde, attends. Si, 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 il y en a pas aussi. D'accord. Ah oui, si, si. Il y a le piège. Et sur le piège, il faut mettre soit. Enfin, c'est faut mettre ce qu'il vous dit par rapport à l'animal. D'accord. De la viande ou du maïs ou je sais pas quoi. Alors, des fois, il faut aller acheter des trucs spéciaux un peu au General Store ou au marché de Saint-Denis. C'est génial. Des fois, c'est de la viande veinée. Ah oui, ça change souvent. Enfin, selon la bestiole, ce sera un truc différent. C'est selon la bestiole, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas toujours la même chose. D'accord. Si vous faites vraiment beaucoup ça, c'est assez rentable, même là, si ça prend du temps pour chaque animal. Il y a une antilope. D'accord, pas mal. Ça va. Personnellement, je trouve que c'est un peu trop rentable, d'ailleurs, par rapport à la chasse normale. Enfin, c'est vrai que là, il y a une grosse différence. Hein. Ouais, puis maintenant qu'on va commencer, c'est bah, sûr qu'après-demain, c'est fini. C'est juste là, la maison, là, juste là. Il faut poser ça. Moi, je qui ai pas ça avec des poissons. Des poissons spéciaux. Non, mais c'est un moment qu'il y a ça. Mais les gens, ils en font moins qu'à une époque, même. Oui, peut-être que la nouvelle façon de faire, ça a changé des choses. Mais...
J'en ai entendu parler il y a un petit moment, mais j'arrivais pas à comprendre trop comment ça se passait. Bah, c'est tout au braconneur. Et après, vous lui ramenez ce que vous avez récupéré. Au braconneur. Ah, c'est bon à savoir. Le braconneur. Le braconneur. Je connaissais pas cette petite ferme. Bah non, moi non plus. J'en ai regardé sur la carte parce que je me suis dit on a Tumbleweed. Mais non. On est pas Tumbleweed. Armadio. Il fait des signaux. Ah oui. Il fait paratonnerre. Je sais pas si c'est à quelqu'un. Oui. Faut le vouloir d'acheter une marque. Ouais, c'est ce que je me disais. Regardez Prosper, vous avez déjà vu ça? Ah mais quand il fait jour, ça va pas marcher. Ça marche? Non, bah déjà il fait jour et puis en plus il y a un seau avec de l'eau. Oh, ils font ça bien ici. Non, mais c'est tout à l'heure dans le cabane où t'as eu un AVC, ben il y avait ça aussi, mais c'était pas c'est pas aussi propre que là. C'est pas fou. Ah, c'était pas fou. T'as pas envie de t'y poser tes fesses. On est drôlement à hauteur ici en fait. On domine un petit peu la vallée. Tout autour de nous, c'est plus bas. Oui. Sur le toit. Oh. Quand tu fais chaud. On voit toute la vallée de là-haut. Et bien pour ma vie. Et bien pour m'appeler. Ah, beaucoup cheval aujourd'hui, hein, oui. Et beaucoup cheval demain en plus. Ah mais je la connais cette église. Mais moins cheval que ce que j'aurais dû faire parce que j'ai déjà fait Annesburg et Valentine. C'est celle que tu m'avais montré. Oui. C'est celle des aromates. Oh pardon. Saint-Denis, attends. Saint-Denis et Rouen. Ah bah merci. Ah oh, putain moi aussi demain je vais à Saint-Denis. Ah ouais, tu vas faire quoi? Tu sais quoi? Non. Ça fait des bonnes journées. Ah. Vous étiez pas en forme, c'est pas possible. Ah c'est fou. Attendez. Par contre c'est rigolo de glisser d'ici. Ah ça va, j'ai ce qu'il faut. Attendez. Ah vous avez ce qu'il faut. C'est un secret. Non, ça, on peut vraiment pas. C'est rigolo de glisser d'ici là-haut. On peut vraiment pas le dire à personne. Attention. C'est interdit, sinon on peut le toucher. C'est un double banc. Oui. Et même se faire pendre, donc on va éviter. On ne manque pas vos messieurs. Et de l'autre côté. Voilà. Ah, mais pourquoi tu y avais un monsieur là? Yo. Où c'est? Hein? Ah oui. Qu'est-ce qu'il fout là? Et ça, c'est le jeu qui nous fait. Oh, les chiens. C'est rigolo. Tu crois que c'est lui? Oh putain! Bah, ça j'arrête! Ça va? Ah oui! Bonjour au toboggan! Ah bah d'accord! Ok, d'accord! Oh putain! Oh y'a 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 où la tête? Ah oui, là par contre la tête elle prend! On va arrêter hein! Ah ouais! Tiens, c'est marrant quand même! Ah y'en a ici! Une antilope normalement ici! Mmh. Voilà! Wow! Vous l'avez vu dans quel sens vous? Mais elle était là ou quoi? Non, parce que moi je l'ai vu dans. Je l'ai vu dans ce sens-là, mais elle tirait par là-bas. Bah ouais, c'est parce que quoi, j'ai pas compris. C'est dire, la vache, elle était en avance. D'accord. Bah, c'est cool, ton champignon. Attention, hein. Si elle se met à courir, du coup.
Oh, truc de prospère. Oh, elle n'a même pas réagi. Je peux pas. Je peux pas le mettre. Dommage. Ah, là oui. Il faut attendre 16h. Elle va dire oh, j'ai pas. Me tire dessus. Pas de montre. Ce serait bien que t'évites de me viser, s'il te plaît. C'était exprès pour te faire peur, elle me disait. Ah oui, bah oui. Ça marche. J'avais bougé de 2 cm. Ah bah non, j'ai tiré en l'air. Bah ouais, j'ai tué un oiseau. Ça, mon tour. Ah ouais, pas. Bah non, bah j'ai tiré là-haut. Par là-bas. Je suis pas allé tuer les pauvres. Non mais c'est Monsieur Duc nous a dit qu'il t'avait vu tourner dans l'autre sens, mais ah ouais nous, oui, c'était bizarre. Ouais. La balle partir dans l'autre sens, ah dans le sens opposé de la toi. Ouais non, je tirais là-bas. Ouais non. C'était étrange. Ah oui non. Par contre, j'ai pas récupéré le piège de. Oh, hey, je crois qu'elle se. On t'a déjà raconté ce qu'a fait Maverick une fois au mariage de Bucks et Annie. Non. On avait des machettes. Et tu sais, c'est les machines qu'on peut jeter. J'en ai eu un. Touché. Et on avait découvert qu'on pouvait ouvrir les portes comme ça. Je vais faire le tour et puis. D'accord. Donc voilà, jusque-là c'était rigolo. Et là t'as Alfred, un ancien de chez nous, qui passe à ce moment-là, au moment où Maverick lance sa hache, je fais non. Putain. Compliqué à chasser les rollbacks, André. Ah ouais, c'est difficile. Hein. Ouais. Une belle espèce, mais c'est difficile, je sais. J'y arrive, mais pas toujours. Ce qui est difficile, c'est surtout de voir où va tomber le cadavre, du coup, parce que tu sais jamais. Le jour où tu arrives à tirer dessus. Des fois, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Il leur donne quoi, leur faisant ici ? Oui, oui, oui. Ah oui, ça, c'est vrai. Allez, moi ça. Mais c'est un faisant adulte. Ah bah oui, je suis pas un adolescent. Bravo, tu nous as sauvés encore une fois. Ouais, heureusement que je suis attentif. Oui. Oui, j'ai l'envie du toboggan est très très grande. Toboggan. Mais je me souviens que la dernière fois qu'on a eu des idées à la con, ça s'est pas bien passé. Ah ouais. Allez. On a eu des bonnes idées aussi, histoire. Ah ouais, oui, oui. Là, je suis en train de regarder un petit peu le papier qu'on m'a filé, là. Il y a quand même beaucoup de choses, hein. L'alligator du soleil. Bah oui, elle est gracieuse. Ah ouais, vous avez filé un papier avec des astuces. Ouais. Ah, vous l'avez pas eu ? L'alligator. Oh, ouais, ça me paraît bien, ça, un alligator. Hop, attendez. Si ça vous intéresse, hein. Hop. Ouais, pourquoi pas, écoute. Il est là. Hop. Alors. Tu fais une douzaine de bols. Une trentaine de bols. Bah, pas tant. Une douzaine de bols aux champignons. Une trentaine de pains de mie toastés. Punaise, bien. Voilà. Encore des yeux plus gros que le ventre. Ah oui. Dans la poche. Bah merci bien. Je suis pas très champignon, mais en vrai. Dans 5 secondes, on entre dans les horaires où il apparaît. Alors. La bubble. Faites attention de pas être trop collé les uns aux autres. Oui, je vais mettre là, moi. On connaît la. Hop là, voilà. Surtout avec les arcs, on les connaît. Ça a marché. Mmh. 4 sortes de champignons avec 3 choses différentes. Et ben, du tout. Ça vous met un coup de pompe et ça vous plante une flèche dans le. Ah, c'est bon. L'esprit m'a poussé. Pompe de Maurice, c'est pareil. On lance. Et champignons de Paris. Pompe de Maurice, c'est pareil. Attends. T'es une antilope toute Maurice, blanche, c'est... normalement. Ça va être compliqué à rater, ça. Et champignons de Paris, ouais, voilà. Je le disais pas comme il fallait. On a un assez fair play. Ouais, clairement. Petit. Puis on n'est pas 14, quoi. Non, du tout. Des fois, si on est 6, ça ne vient pas.
On est 800 là. Ouais, ouais, je sais pas, la dernière fois avec Finn, il y en a plein qui sont pas venus, tu vois. Ah, t'as fait de la chasse avec Finn. Ouais, et on était nombreux, ils venaient pas, donc peut-être que ça s'est amélioré maintenant, tu vois. Ils ont peut-être moins peur. Peut-être. C'est possible. Et à chaque fois que je vois un truc blanc, là, je vise le cheval du Kentucky, mais c'est pas du tout ça. Ah bah. Elle est là-bas, elle se barre. Comment ça se barre? La vache, je l'ai pas vu. Non, vous avez l'œil, hein. Elle est descendue. Ouais, non, je regardais pas du tout par là-bas, de toute façon. Ah oui, non, mais... Je vois deux lapins. Je regardais vraiment à l'opposé. Et quoi, elle est légendaire comme les autres? J'allais voir. J'imagine. Moi qui crée à l'arrache aussi, bon, t'inquiète, je te comprends. C'est juste que je bug. Mais ça va. C'est très compréhensible. Ouais, ouais. Moi j'ai un énorme crocodile sur les épaules, là vous voyez pas, mais... Mais je pense qu'on la voyait quand elle courait au moins quand même. Oh mon dieu, un serpent légendaire! Oh là là! Au secours! Oula, malheureux, faut pas faire ça! Je sais! Oh merde! Ah, j'ai trébuché! C'est bon, moi, c'est il y avait un gros caillou! Oula, j'ai vu un rollback cendré! Mais un rollback cendré, il vient de comprendre! Y'a vraiment personne qui la voit sur mon cheval? C'est bon, on a compris que tu mytho, hein. Non, oh, bah, non du tout. Ouais, hop, je peux la prendre. Ouh, waouh. Allez hop, c'est parti. Vous l'avez remise par terre? Ouais. Ouais, on va prendre la couper. Tiens, Elias. Présent. Hop, petit papier dans la poche. Hop. Oh la connasse. Ah. Elle a rien donné. La dernière fois, elle t'avait donné quelque chose. Ça va redémarrer dans 10 minutes. Petite tempête dans 10 minutes. Ça va, Miss Denise. Oui, mais j'ai pas eu le temps de la voir. A-t-elle vraiment Personne été là? Personne l'a vu, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Je disais, regardez, j'ai un gros serpent sur mes épaules, là. Non, mais je retiens les coins intéressants. Waouh. Un cougar cendré. Et vous, ça va, monsieur Duke? Écoutez, ça va. Ça va, ça va. Une soirée sympathique. Tout à fait. Je pense que je vais retourner à Armadillo. Je vais faire dodo à Armadillo, je pense, avant la tempête. Il va y faire Armadillo. Ok. Oui. Armadillo dodo. Bah, un Armadillo dodo. La bonne nuit, alors. En tout cas, c'était bien sympa. On a bien rigolé. Oui. Enfin, on a bien rigolé. Voilà. Oui, moi, j'ai bien rigolé. Quelques points de suture, mais bon. Oui, oh, voilà. Ouais. On s'en remet. Sur les autres, hein, c'est tout. C'est ça. La dure vie de l'Ouest. Ben oui, c'est ça. Faut savoir prendre des risques. Ben, c'est ça. Et ben, à bientôt, alors. À la prochaine. A bientôt. Entrez bien. Je m'en vais vers le soleil couchant ou levant. Ah bah, fais gaffe à la falaise. Hein, parce que... ah oui, bah, je vais par là. Prends la route.
Ça va être le soleil tombant, sinon là. Et du coup, vous avez souvent fait la chasse aux animaux spéciaux? Moi, personnellement, jamais. Hein. Ah oui? Ah, je pensais. Ah non, j'ai accompagné un petit peu par-ci par-là, quand je croise des gens. D'accord. Mais sinon, non, pas plus que ça. Je faisais ça, quoi. C'est-à-dire, je croisais des gens quand on faisait, je restais avec eux le temps que le truc arrive, on lui tire dessus. Puis... Ah oui, d'accord. Un petit coup de main. Ah bah non, du tout. Alors vous qui fouillez pas moi parce que je vois trop, c'est sur moi. Quoi? T'as quoi sur toi? Trop de choses. Parlez de Mia. Qui veut un avocat pour poursuivre Google en justice. Une IA qui veut un avocat. Elle est trop mignonne, là, mon dieu. Attention, Cactus! Tellement vite. C'est vrai qu'il est grand vite, hein! Elle est partie, là! Disparu. Oh, tu m'étonnes! Elle est partie du côté de la maison! Je vais vraiment le tourner, en fait! Aïe, aïe. On sait en juin ces histoires, je vais aller faire une petite sieste près de la maison d'Isaiah. Je vous souhaite une bonne nuit. Ah, mais je rêve! Eh ben, la bonne nuit, hein! On va refaire le sanglier, hein, c'est ça? On réveille, hein. Ouais. Tant qu'à faire. Allez, bah sur ce, dormez bien. Il y a qui disent que c'est une conscience. Oui, bah c'est les gens qui savent pas ce que c'est qu'une intelligence artificielle, pour dire ça. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Salut, Dias. Du coup, monsieur Duc, madame. D'accord. Alors, je... Ouais. Je décide de rien. Attends, on va faire un truc pour. Je crois que lui non plus ne décide de rien. Et qu'est-ce que vous. Ah, essayez de faire. Ah. Alors attendez. Attendez. Un petit coup d'assaut. Un petit coup d'assaut, oui. Voilà. Oh, ok, là. Tada. Ah, bah, ah là là. J'ai pas compris. Oui, non, bah. J'ai bu ma gourde. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'évite à cheval. Peut-être que ça fait. Normalement, je pense que ça pose pas de problème. Ça fait pas. À l'arrière. Si. À l'arrière, bah, tu... je l'aurais bu. Je descendrai. Est-ce que vous voulez passer, vous voulez qu'on passe à Armadio ou pas? Ah, bah oui, bien sûr. Bah, tu... Avec plaisir, on verra si un petit peu. Un petit peu du monde. Aussi, je fais pas petit, puis après, et je rentrerai dormir. Allez, ça va. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tous. Et bonne nuit. On va se mettre là-bas, là. Quelle aventure. What the fuck, ouais, je sais pas. Est-ce qu'on peut y être en 5 minutes? Oui, oui. À un moment on peut couper un petit peu mais parce qu'il y a des bouts de falaise après. Mmh. Ouais, ici en pleine nuit moi j'ose pas trop. J'ai déjà eu quelques frayeurs. Bon il peut pas vous arriver grand chose. Ah vous voulez dire à cause des collines tout ça? Oui c'est surtout à cause des collines en fait. C'est qu'on voit encore moins bien les dénivelés. Quoique c'est pas ici où je m'étais fait avoir, c'était plutôt en forêt. Ouais, avec des arbres je voyais rien du tout. Ça rejoint la route normale ça. À peu près, elle est sur le côté. Tente des choses. Alors, Armadio, c'est tout ou rien.
soit il y a pas mal de gens, soit personne. À cette heure-là. Oui, j'imagine. Rien des gens. Désolé. J'ai rarement vu vide quand même Armadio. Même s'il y a toujours des moments où c'est vide, mais le soir j'ai l'impression qu'il y a souvent un petit peu de monde. Ouais. Pourquoi tu tousses ? Bébé. Bonsoir. Bonsoir. Putain, t'es vraiment un enculé, hein. Mais c'est toi, tu me sautes dessus, tu sais très bien que j'ai mes armes, là. Mais pourquoi tu fais ça, bro? Est-ce que tu croyais que c'était voulu, hein? T'es con, quoi. T'as qu'il est grand, le monsieur. Bonne nuit, bonne nuit qui vous bat, des bisous. Ouais. Essayez de peut-être de se capter ce week-end pour se faire des sous. Et faire Je crois qu'il fait une sieste. Faire une petite sieste derrière, moi. Pareil. Bonsoir, silence. Ah ouais. Du coup, à l'intérieur, c'est plus... Mmh. Toi qui ressemble à une conscience. Peut-être ça marche pas. C'est pas ça une conscience. C'est pas un programme. C'est bien ravitaillé. Ouais. Ma gaz, à chaque fois je me mets pas bien. Là où je suis, c'est à droite de la. Ah oui. La caisse, oui, c'est à droite. Ouais. Oh, mais il y a du vin rouge et tout ça. Bah, plein de choses. Bah, ouais. Pour des choux, hop. Une petite bière gratuite. Ça manque de pipe. Tout manque toujours de pipe. Terrible. Il a mis. Eh ben, ils ont l'air de bien rigoler. Hein. De la mort d'un homme. Ça va aller. C'est pas notre genre, ça. T'inquiète pas. Alors, je suis... Je sais même pas dit quoi. Totalement dévasté à chaque fois. Vous avez bien vu comment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand vous étiez inanimé au sol. J'ai vu. Je me suis... En plus, j'ai failli me noyer dans vos larmes, en fait. Ah ouais, c'est ça. C'était... Raconte que des conneries. Disconnected. On est disconnecté du serveur parce que c'est le petit reboot de 3h du matin. J'espère que ça va, vous. Mettre une petite mèche comme ça, histoire de faire jour. Voilà. On fait bien genre, là, avec mon nez rouge et tout. J'espère que ça va. Que vous passez une bonne soirée. Bon, je vais pas tarder à me coucher non plus, mais je voulais rester une petite vingtaine de minutes encore. Et puis on va relancer genre maintenant, je pense que ça va être bon. De toute façon un reboot tu peux relancer tout de suite je crois. Ah c'est peut-être un peu tôt, je vois zéro personne. Attendez, je vais relancer. T'es encore malade ? En fait j'ai encore la voix un peu enrouée. Et le fait d'avoir poussé dessus pour faire Denise, parce que Denise elle a une voix pincée comme ça. Bah, j'ai l'impression de forcer sur ma gorge, en fait. Donc, quasiment plus malade, mais je tousse encore un peu. Et là, je pense que du coup, ma gorge était... Bon, allez, il aurait peut-être fallu que j'attende une petite journée en plus. Bon, voilà, c'était trop marrant. Je me suis trop éclaté ce soir, donc bon, je regrette pas. Mais il aurait peut-être fallu que j'attende un chouille avant de refaire la voix de Denise. Et là, je sens que ça gratouille. Mais sinon, ça va. En vrai, is ok. Et toi, ça va? Ah, j'ai chaud et froid en même temps, ça dépend des moments. Reste-t-il des survivants parmi nous? Bien entendu. Oh oui, oh oui. Mais oh oui, toujours. Oh oui. Toujours. Oh, monsieur Ray. Oui. Tout à fait. Lui-même. Taisez-vous, Andouille. Un revenant. Ah, il est quand même mieux ce menu de sélection. Bon, il est moins beau, mais c'est plus rigolo de s'entendre quand même. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ouais, oui.
Mais bonjour les copains. Oh, mais j'en fais des amis. Oh, Alec. Oui, coucou. Tu me manques. Non, c'est papounet. Plus Alec. Papounet. Ça dégoûte. Tu sais en plus de quoi on parlait tout à l'heure avec Abby. Enfin, Abby, oui, tu m'as compris. Oui. Si vous envoyez des télégrammes pour vous donner des nouvelles. Non. Oh. Oh. Ouais, mais vous avez pas nos numéros de télégramme. Tu veux me faire ben, chier. Ouais. Allez, génial, on va se faire foutre, merci. Des bisous. Bisous. Et où on entend tout le monde à l'écran de sélection et c'est assez rigolo. Oh, t'as un ulcère, je savais pas. Ah, peut-être selon ce que tu manges, il y a des jours où c'est plus dur. C'est vrai que... Avec... Ah oui, mais la tenue. Incroyable. Allez. Alors, c'est mais c'est le long manteau en fait. C'est le long manteau, ça fait plus impressionnant avec le masque. Ah ouais. Oui. Y a un truc. Ah, si un jour je me reconvertis dans le braquage, j'aurai mon style. Oui. Ou alors on dirait que vous allez kidnapper une fille dans un opéra. Tant que vous chantez pas. Non. Voilà. Armadillo. Navi est à nous pour une dizaine de secondes. Péton au milieu de la rue. Oui. Ah, j'imagine que tu dois te priver de pas mal de trucs, ouais. J'ai jamais compris pourquoi ils ont pas éteint à côté, là. C'est toujours en train de cramer, là, depuis 4 mois que je suis là. C'est vrai que c'est le feu le plus efficace de l'histoire des feux. Bah ouais. Ou alors c'est le bois qui est très efficace. Il brûle tellement lentement. Ah, c'est possible aussi. J'imagine qu'on sait pas pourquoi ça crame. Qu'on sait pas qui a fait ça. Je crois que j'ai jamais demandé. Bah si ça fait très très longtemps, tout le monde a oublié. Oh, ça c'est sûr. Et moi c'est dans cette école que je me suis abrité la première fois que je suis venu et qu'il y avait un braquage. Enfin un braquage, une fusillade. Ah ouais ? Oui. Ça m'a sauvé. Mais ça c'est une école ça ? On dirait, je crois que c'est une... Je sais pas trop, école-église, je saurais pas dire. Entre les deux. Oui, bah ça ressemble à... quelqu'un. Ah vous voyez, si vous voyez le lit qu'il y a derrière, il est dégueulasse aussi. Hein. Il y a un lit. Je m'en rappelle même pas. C'est vrai que ça fait tâche. On va se rappeler des souvenirs tous les deux. Oh là là. Mais ça fait vraiment tâche. Et puis celui-là, il est fait de briquet de broc. Hein. En fait, tout le reste, c'est mieux. Enfin, il y a une belle bibliothèque, là. Oui. Bon, après, faut en vouloir de dormir avec cette dame qui vous regarde tout le temps, là. Ah. J'imagine qu'elle tient compagnie certaines nuits de solitude. Et par contre, c'est pas la porte la plus... Oh, mais on peut projeter des choses. Ah oui, c'est tout ouvert là-haut. Je l'ai pas vu. Oui. Bon, en même temps, est-ce que c'est l'heure de dormir quand il y a du monde ici, quoi? Ça, c'est... Petit cinématographe. Non, moi, c'est une école. Hein. C'est un endroit un où... Petit projecteur. Oui. Pardon, j'ai pas le temps de me mettre. Bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on s'est abrité là-dedans avec une amie. Oui, bah c'est une école. Hein. Et moi, j'ai trop abusé fait, avec les piments toute ma vie. Et c'est vrai qu'on regarde, c'est une école en plus. Oui, ça peut faire petite église. Là-bas, sur la colline en plus.
On peut aller... Oui, je pense qu'il pourrait s'en servir. On peut aller dedans ou pas dans l'église? Je l'avais vu, mais je crois qu'on peut même pas rentrer. Moi, je crois pas. Vous voulez qu'on aille vérifier? Allons dans l'église. Je m'éloigne. Mais je savais pas que ça pouvait causer un ulcère. Toujours sur la date, tout à fait, tout à fait. Je pense pas qu'on passera sur Minecraft ce soir, on y passera demain, je pense. Complètement même, c'est sûr. C'est par là. On la voit. Ah oui, oui, c'est ça. Ça va être. Pas à droite maintenant, mais après. C'est ça. Un bocal de piment entier comme si c'était des cornichons. Oui, c'est. Mais qui fait ça? Ah oui, là pour le coup on voit vraiment on voit vraiment la forme d'une église. Ouais, petite église. Comment tu fais mes crabes? Je ne comprends pas. On a vraiment des... Ah. Oh, c'est dommage. On a vraiment des amusements de petit vieux, on va voir l'église. C'est la sortie du dimanche. Ah. Sinon, il y a des aromates ici. Ah ouais. Alors. C'était où? C'était le petit Prosper qui m'avait montré ça. Ah, peut-être qu'ils ont été finis. Ils ont été enlevés, je ne sais pas. Mais il y avait des graines d'aromates. Ah, d'aromates. Aromates. Je... Ouais. D'aromates, celui qui commence par O. Il commence par C. Ah. Mais je pense que depuis, les tonneaux ont été enlevés. En même temps, bon, ça, il m'a montré ça il y a des mois. Enfin, des semaines, je veux dire. Ouais, oui, bah oui, il bouge, hein, il faut que... Il faut pas se faire... pas qu'il se fasse choper. Hein. Et tombe ouverte. C'est la mode ici. Et hop! Non, je rigole. C'est de la bonne blague. Et hop! Même tomber dans une tombe, j'y arrive pas bien. Vous le faites bien, vous! Petite technique, hein. Ça fait pas mal. Ça c'est un petit peu, je vous avoue. Dans l'eau, ça allait, mais bon. Un petit peu rien. Ah, un peu moins. Bravo. On a l'habitude, parce que à une époque, on aimait bien se jeter dans la boue d'Armadillo. Ah oui, mais oui. Ou de Valentine. Qui en soi fait pas spécialement mal. Poisson alors, berry aussi. C'est qui là Monsieur Bird. Joséphine. Ah, les Bird. Ah, marchez-leur sur la gueule, hein, ils diront. Oh bah, de toute façon, oui. On... Bon, après, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Il n'a plus resté grand-chose. Cowboy. Ah, un cowboy avec aucun nom. Jackson Greenwood. Ouais, bah, et non. Il est parti pêcher, il est jamais revenu. Ah, OS McFarlane. Ouais, c'est peut-être celui des McFarlane des trucs, non? Du ranch. Peut-être, hein. J'ai une cargaison de saloperies dans mes poches. Le cerf me fait chier que 3 ou 4 jours par mois, si on fait attention à ce que je mange, d'accord. Comme... Le casse-gueule, oui, non, il fait n'importe quoi. Dwight. Il est joli, ça. Oui. Dwight Bundy. Les jolies pierres côtoient les simples piquets de bois en forme de croix. Ah, ouais, ouais. Gideon Nox.
vidéo. Ah bah un autre McFarlane ici. Ça va être une grande fête. Non mais la piquette russe, c'est ce qu'il raconte. Il n'y a plus rien, complètement effacé. Bon bah... C'est pour les prochains. Et pas fun cette église. Vous savez qu'il recycle les tombes au bout d'un moment. Et il réécrit par-dessus ? Non non, il change la pierre, mais là à un moment donné... Il change que la pierre. Quand ça fait... Quand ça fait plus de 50 ans, plus de 60 ans... Bah, il recycle le trou et tout, hein, parce qu'il n'y a plus rien dedans. Hein. Il y a tellement de morts, il pourrait pas avoir un tout petit cimetière comme ça. Hein. Oui, j'imagine surtout Armadillo. Après, si vous voulez d'autres anecdotes qui donnent la pêche comme ça, n'hésitez pas. Ouais, c'est sympa. C'est... Ouais, toujours là pour voir la vie du bon côté. C'est bien de savoir qu'il y a un certain recyclage, quoi. C'est bien. Ouais, c'est ça. Oui, qu'on compte pour les gens du futur. Oui. Ouais, c'est... On laisse une trace. Voilà. <C'est>... un temps bon au bout d'un moment. C'est ça. Moi, j'ai appris qu'il existait des parcs funéraires. C'est quoi donc ? C'est des parcs où des gens peuvent demander à leurs proches de jeter leurs cendres. Et comme ça, ça nourrit des arbres. Ah. Je trouve ça poétique. Ah ouais, je peux comprendre. Enfin, un peu plus que ce qu'on vient de voir, quoi. Oui, non, moi, salut les guettes, salut Parkane, merci beaucoup. Hello, saucisson, ça. On fait un avec la nature, quoi. Oui. Le cycle éternel. L'histoire de la vie, quoi. Ouais. Puis de la mort, un peu. Mais coucou à toi, merci beaucoup pour la raid. Bon, du coup, ils étaient tous partis, les copains, là. Et coucou, bah, Miss Dual. Personne que je connaissais trop. Oui, c'est vrai qu'il y avait... J'ai les copains, mais... Ils étaient quatre, et on les connaissait pas, donc. Ah oui, elle est un peu bizarre, mais... On va retourner voir Blackwater s'il y a des gens. Merci Saucisson, bienvenue. Merci beaucoup. T'as vu, j'ai fait mon journal. Mais oui, j'ai fait ça. Enfin, j'ai... Non, j'ai appris. Parce que j'ai pas regardé aujourd'hui. Et je vais aller voir. On a fait une petite soirée chasse et coma. Aujourd'hui, c'était sympa. Et toi, t'as fait quoi de beau? T'as déjà vu un gazi? C'est marrant parce que douter d'un truc comme ça là. Je sentais bien venir la proposition de chasse, je sais pas pourquoi. Non. Là, je peux plus. Vous comme moi là, on n'a pas le droit. Non. C'est pas recommandé. C'est-à-dire que de coma dans la même soirée, c'est fait peut-être beaucoup. Je dirais pas que ça m'est jamais arrivé. Oui, je suis sûr. Trois, ça m'est pas arrivé. Deux, oui. Une fois à Cougar. Mais autant Grizzly, j'avais été le chercher. Ça marche aussi, son merci autant beaucoup. Autant Cougar. T'aurais qu'une fusillade. Oh, GG. Moi, je me suis fait attaquer trois fois dans la soirée. Et quand même. Une fois Cougar. Ouais, une fois Grizzly, une fois Cougar, une fois Loup, mais... Au moins c'est varié, les loups, c'est ça qui est bien. Je sais pas, c'était sur la route. Ouais. Je pense qu'avec tout ce que vous savez sur les attaques de bestioles, vous feriez un bon... garde... Repas. Un bon garde forestier. Et voilà. Ça peut... Après, je vous avoue que... Travailler pour le gouvernement, c'est pas forcément le truc. Qui me donne trop envie, quoi. Et puis bon. Ça nécessite d'être beaucoup dans son coin. Ce type de métier. Alors, c'est pas mal, mais au bout d'un moment, ça peut être un peu lassant. Oui. Je peux
c'était un peu solitaire. En fait, c'est un peu bizarre, j'aimais être seul. Ça me dérange pas forcément d'être seul ou quoi. Bonjour. Soit... Okay. Ouais, c'est que je pense que vous... Plus beau. Parce qu'on a tous peiné en disant, c'est que je pense qu'ils ont dit pareil. Ah, ils ont freiné aussi, je regardais même plus, moi. Oui, oui. On a un oiseau, je crois. Entendu. Mais je crois pas, ça me disait rien. Bon, bah, je les ai vus rapidement, il aurait fallu que je reconnaisse les habits, mais bon. Vous comme moi, on n'est pas du tout habillés comme d'habitude. Et donc je pense que les gens ne reconnaîtraient pas. Hein, c'est qui m'ont pris pour vous? Vous n'avez pas mon gabarit, quand même. Presque. Regardez, si je bombe le torse, là, hop. Ça change tout. Yo, Bilbon, ça va? Oui, je sais plus ce qu'on racontait, mais... Ah oui, vous aimez bien être solitaire, parfois, mais je pense que vous avez pris l'habitude, aussi. Vous avez dit que vous avez eu un petit moment... En étant tranquille un peu dans votre coin, je pense que c'est une habitude, même si on aime bien la compagnie au bout d'un moment, il se perd pas quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est bien d'avoir de la compagnie aussi. Après, par exemple, pour le travail, je peux travailler seul, ça me dérange pas. C'est pour ça que des boulots. Oui, c'est vrai. Comme tout à l'heure, j'ai fait de l'or, même la nuit dernière. Mais c'est vraiment quand je suis tout seul quoi. Oui, c'est ce que je faisais aussi. Un truc, je réfléchis. Je réfléchis en même temps et puis. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien pêcher. Ouais, on se met dans des endroits un petit peu jolis et puis on. C'est juste ça. On profite du moment. Bah alors c'est pas mal aussi parce que c'est souvent dans la rivière ou tout oui, ça. Oui, c'est ce que je fais aussi. Ouais. Vous en avez fait de l'or ? Oui. À un moment, maintenant, bon, j'arrive à pêcher plus vite, mais à un moment, j'arrivais pas trop à être efficace niveau pêche, donc. Je faisais autre chose. Et je pense que je vais mourir de faim. Ça fatigue les balades. Ah là là. Bon, en vrai, hein. Il fait dodo bientôt. Hein. Profitez aussi. Bon. Bah ça a l'air bien calme ce soir. Eh bah ouais. En même temps il est 3h du mat. J'ai pas entendu des tirs là-bas non? Ah non c'est lui qui tapait, ça charrette. Oui j'ai pas entendu moi. T'as plus de cam? Bah je suis en RP on met pas la cam les amis. C'est pour la si vous voulez vous changer, vous pouvez. Hein. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Attends que je suis pas venu, désolé. Question bête. Ah, bah, pas de soucis. Est-ce que vous étiez habillé bizarrement quand vous êtes arrivé dans l'état ou pas? Habillé bizarrement quand je suis arrivé? Ouais. Ou est-ce que quand je vous ai connu, vous étiez avec vos premiers habits? J'ai perdu mes chaussures en venant. C'était la différence. Ah bon? Dark Denise. Je suis Denise, j'ai une tenue Red Duke. Des amis, ce qu'on faisait pour rigoler, c'est de on se montrait nos premiers habits, vous voyez, c'est ça. C'était ça votre première tenue? Non, pas du tout. Non, bah, c'est la verte que vous avez connue longtemps. Vraiment, la seule différence, c'est que j'avais perdu mes chaussures sur le ponton. J'étais pas bien arrivée. Ma première tenue? Oui. Quand je suis arrivé.
Attention, hein, je descendais de ma montagne après 30 ans. On sent la gêne un petit peu dans la voix. Duke de Nice, exactement. Ah ouais, nos petites soirées à Fernawak avec Duke. Et c'était bien rigolo. Autour du swag. Bonsoir, madame. Oh, ça va, je m'attendais à pire. De... Bon, l'état de votre pantalon, c'est vrai que c'est. On voit qu'il y a du moi-même, excusez-moi. Ah oui, des chaussures. J'ai gardé 15 ans, hein, à peu près. Eh, il y a du savoir-faire, n'empêche. Dans la création du vêtement. Montée, non, voilà. Mais effectivement, vous avez fait un petit. Vous avez un petit peu monté de niveau. C'est de la peau de vache que j'ai élevé moi-même. Et moi, je l'aime bien. Elle est chouette. Je m'attendais à pire quand vous m'avez dit ça. Hey, on va perdre un petit dollar là. Hop. Je sais plus comment mettre en vue FPS. Je sais plus du tout. Bets, please. C'est parti. All bets are in. 10 here. 20. Oh, j'ai 20. J'arrête là. Un petit blackjack. Oui, j'ai un... De temps en temps, j'ai un peu des sous ici. Combien j'ai sur moi? 8 dollars, je vais vous accompagner. Ouais. Là, j'ai gagné. Obligé de rejouer. Ok, I've got your bets. Let's go. 17. Petite 17. Hein. Oh, moi je serais où? Attendez, il a combien? Il y a possibilité qu'il ait 16. Moi je serais où, je resterai là. Bah, c'est trop risqué de. Bah, j'ai beaucoup de mal à aller au-delà. Voilà. Et là il dépasse. Et hop. Oh. Merci qui? Merci, ouais. That's it. C'est bon pour moi, monsieur. No more bets this round. And 6. Okay, 16. Ah, 16, je suis dans la merde, par contre. Oh là là là. Ah oui. Ah là, je vais tenter, moi. Oh là, t'es là. 19. Oh! Ah, 21. Vous avez eu 21? Ah ouais. Bon bah. Normalement, il va faire 21 aussi, l'enfoiré. Non? Non, il a dépassé. Vous l'avez mouché. J'aurais dû miser plus. C'est toujours ce qu'on dit quand on joue. Ah, moi, je fais allez, ma... Allez, un petit 19. Voilà, tranquille. Moi, je fais ma peureuse. Hein. Je mets un par un. Ah, hein. Il va faire 20, l'enfoiré. Je suis sûr qu'il va faire 20. Non, moi, je crois. Par contre, il me prend une carte, là. Vous pouvez faire un petit 20 aussi, là. Hey there, 21. Et voilà, 21. Hey there, 19. C'est incroyable. Eh ben, on est pas mal. On est pas mal, là. Bah ouais, ça va. Moi, je continue. Et c'est là qu'on mise plus, et c'est là qu'on se fait avoir. Non, je mise pas plus. Parce que, moi, je mise pas plus. J'ai pas beaucoup, déjà. Ok, I've got your bets. Let's go. Five fingers. Ouais. 15. Ah, moi, je suis bien. Moi, j'ai 20. Vous, combien? 15? Ouais. Ah, 15, oui, qu'est-ce que j'ai dit? 15, c'est... Allez. Mais 15, c'est... Moi, 15, c'est la pire. Ça. J'ai 20. Allez, je vais te tenter, mais... Vous êtes obligé, surtout qu'il a déjà dit ça. Là. Oui, c'est vrai. 21! Eh voilà, j'ai eu. J'ai jamais eu autant de 21 de ma vie. Pas mal. Bon, j'ai gagné un dollar depuis tout à l'heure, c'est pas fou non plus. Hein. Oui. Moi, je fais souvent des égalités, donc. C'est ce que je me dis. All bets are in. Bon, après, égalité, c'est toujours ça de pas perdu. 14! À 14. Non, oh, j'ai rien, moi. Ah, lui, il a pas grand chose non plus. Allez, go. Bust. Oh. Ouais, enfoiré. And 15. Not so well. Bon, bah, je retente. Went past. Super.
Pourquoi à chaque fois que je retourne, j'ai une carte qui a 1000. Comme par hasard, j'ai mis 2 dollars, évidemment. Allez. Allez. Là, on y retourne 2 dollars, c'est parti. No more bets this round. 10 here. Ah, ça commence bien. 17. Allez, 14. Ah, il a un 7 aussi, l'enfoiré. Moi, je stoppe là, je lance. Allez, moi, je prends. 19. Ah, c'est bien. Ouais, j'arrête là. Ouais, un petit 19. Il y a moyen. Lui va faire 17. Moi, je suis limité. Voilà. Moi, je ne perds pas. Mais... Let's see your bets. Allez, fais-moi plaisir. Allez, je mets plus. Je suis un peu pas folle. Je mets 2. That's it for bets. Ça prend des risques là. Vous, ça va. Ouais, 18 et 19. 19. Bon, bah, on va stopper là. Il a hein. un 10, comme par hasard. Évidemment, il va faire voir. Il va tous les deux. Ouais. C'est sûr. Je stoppe, mais c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est pas comme si. 18, all right. Oh. Vous avez gagné. Incroyable. Moi, bon, c'était égalité, mais ouais. Je remets que 1. Ok, I've got your bets. Let's go. 10 here. Look at that. Blackjack. Hey, Blackjack. Blackjack. Incroyable. Aussi, c'est 100%. Voilà. C'est ce jeu. Voilà. Dans ce cas-là, il y a. D'accord, tout le monde rentre chez soi, quoi. Bah, quand il fait les 21 d'entrée, ouais. Il n'y a pas de choix. C'est. Hop. Mais j'ai contré, moi, j'avais l'égalité, donc ça va. 10. Get a 9. Allez. Ok, 16. Ouais. 11. Bon. Ah, de toute façon, je demande aussi, 16. And bust. 15. Et voilà, et comme d'hab. That's that. Évidemment. Oui, bah, reprends tes cartes. Let's see. N'ouvrez pas le nez dedans. Combien il me reste? Je sais même pas. Allez. On peut. Oui. On va. Qui dernière? No more bets this round. 10 here. Okay, 19. Ouais. 14. Moi, 19, j'aurais. Moi, 19, c'est bien. Moi, je suis obligé, moi. Ouais. Surtout qu'il a un 8. Bust. Voilà. Ouais, pour vous. 18. Super. Et on est bon. Eh ben. Du coup, si on s'arrête là, on va gagner 2 dollars. On va voir ça. Moi, j'ai pas compté. Allez. Je crois que j'ai gagné 4 ou 5 dollars. 4 dollars. Bah, pas mal. Pas mal. La première fois que je gagne autant. On peut regarder dans ses poches quand. Quand on joue au Blackjack. Bah, moi j'ai les mains sur la table alors je peux pas. Ah. Je pense que le croupier il aime pas qu'on fouille dans nos poches pendant ce temps. Bon. En tout cas, j'ai pas réussi. Bon, bah, vu qu'il y a vachement de monde ici, vous avez une autre adresse? À cette heure-là, c'est compliqué. Hein. Oui, ça va être bientôt dodo, je pense. Bah, ouais. Bah, ce fut une soirée bien agréable, en tout cas. Bah, ouais, moi, ça va. Plaisir. Oui. C'est vrai que on a toujours l'habitude de se croiser. Bah là on a fait plus, bien c'était bien chouette. Bah ouais. Même si bon, voilà. Bon. Il y a eu quelques péripéties. Oui, hein. Bah ça j'avoue. Faut remarquer que la vie me l'a remise dans la gueule après. Hein. Oui, j'ai envie de dire que c'est aussi vos partenaires de chasse. Moi, je restais en retrait volontairement pour pas gêner. Mais bon, bah en fait, ils sont gênés quand même. Vraiment pas ce que personne ne tient. J'ai pas entendu un coup de feu. Alors que depuis le début de la chasse, à chaque fois qu'on voyait un oiseau au loin, ça tirait partout. C'est ça. Là, je ramène un cougar. Vous pouvez tirer, s'il vous plaît. non. C'était incroyable. Vous rentrez où? Au saloon de Blackwater. Ah, où c'est où? Vous m'emmenez?
Au sable ne bloque pas. Allez, montez. Merci. C'est nuit, j'ai pas envie de rentrer seul. Ah non, mais j'allais vous accompagner. Vous voulez aller où si je vous raccompagne? Bah non, mais vraiment, enfin moi en général je dors ici parce que bon, bah j'ai pas. Ah, bah, j'ai pas d'autre adresse. Un jour j'aurai un chez moi. Bah oui. Moi, pendant longtemps, je me suis dit que j'aurais pas un chez moi et puis ça arrive d'un seul coup. Et puis maintenant j'ai 32 pièces. Si vous voulez dormir chez moi des fois, vous pouvez. Là, y a pas de problème. Ah oui? Ma porte vous est ouverte. Oh bah c'est bah, fort. J'ai 43 chambres avec chauffage donc. Oh bah je veux bien voir si ça vous dérange pas. Eh bah let's go. Écoutez, je saute sur la proposition. Elle va gérer, tu vas voir mes gars. Ah bah la marmite. J'ai entendu un cheval, j'ai entendu des gens. Mais quand on jouait tout à l'heure, j'ai entendu aussi. Nous ne sommes pas les derniers. Oui, mais je crois que c'était mon cheval qui se barrait et qui foutait la merde. Ça arrive souvent hein, quand on met le cheval devant le truc. Au bout d'un moment, il se détache et il commence à faire n'importe quoi. Ah, mais il se détache tout seul en fait. Oui, il se détache tout seul. Même quand on leur dit de se reposer. Ça, je sais pas. Généralement, quand on les assoit. Non, je crois pas qu'ils se lèvent trop, mais. Bien sûr, tu dors chez lui, mais grave. Enfin, non. Il est très très bien éduqué, du coup, ça fait 4 mois que je l'ai. Parce que ça joue, ça. Je savais pas. Bah, disons que je suis sûr qu'au moins elle est éduquée au maximum qu'on peut l'éduquer, oui. Mais il faudrait que je vois, moi, si je peux encore éduquer ma bijou. C'est sûr. Ouais. Parce que je. Bah, en fait, rien de spécial. Ah, je sais pas le freiner. Eh bah, ben, il y a Loupo qui est dehors. Regarde-moi ça. Oh, vous avez un petit chien. Ouais. Coucou-toi. Il a même un copain, des fois, qui arrive. Et le petit Loupo. Eh ben, il vous aime bien parce que souvent. Oh, oui, tu peux. Souvent, il se laisse pas caresser d'entrée comme ça. Eh ben, il est tout gentil. Loupo. Bah ouais. C'est ma fille qui l'a appelé. Salut Loupo. Elle t'a lui manqué. Ah, bah, bon, après, là. Oh. Elle n'a pas beaucoup habité là. Mais c'est vrai que. J'ai cru comprendre qu'elle était. Dans le bayou avec, Oh, mais sympathique. Ah, vous avez un cuisinier? Non, c'est un squatter. Excuse-moi. Est-ce que tu pourrais. Le maître, il se laisse caresser. Aller voir là-bas si je suis. Que t'es armé, du coup, bon. Ouais, va là-bas. Ouais, je sais bien. Écoute, va là-bas. Hop. Je sais que t'as une arme à la ceinture. Oui, allez, va là-bas, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est le problème des terrains ouverts. Enfin, ou presque. Oui, parce que. Alors, bon, lui, c'est le voisin, il est sympa, mais il a toujours un flingue à la ceinture. Du coup, au moindre souci, en fait, ça part pas. C'est ça. D'accord. Et en fait, la technique pour faire partir les citoyens un peu gênants. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait menacer de les vendre. Voilà, vous les menacez de les vendre au shérif, et bon, c'est au ça. Final, vous le faites pas, parce que surtout à cette heure-là. Oui, bon, parce que bon, on n'est pas des bêtes. Déjà. Et puis, il est tout vexé, il se casse. Oui, on avait vu ça au théâtre. C'était assez surprenant et il était contrarié. C'est une autre technique. Parce que il y a toujours mon autre voisin qui squatte là sur l'escalier, normalement. Il est pas là. Oh. Tiens. Ça, c'est un humain, ça. C'est pas qu'un cheval. Ouais. Coucou. J'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Qu'est-ce qu'il y a, Loupo, à couiner, là? Ah, cette baraque elle est bien vide mais elle me fait plaisir quand même. Ah, vous pouvez être fier. J'aime bien. Pas fier, je sais pas, mais en tout cas je suis content d'avoir pu la voir. Quoi. Enfin, c'est vrai que ça fait grand. Si vous avez besoin de foin, vous pouvez prendre du foin là. Ah, c'est bien ça. On a toujours besoin d'un petit peu de foin. Oui. Ah, elle est très sympathique.
puis un jour, il faudrait que je répare cette table, hein, parce qu'elle arrête pas de se casser la gueule. Ouais. Bon, peut-être que quand on monte dessus, ça joue un peu. La table à la con, qui c'est celle qui tourne là? Oui, parce que c'est ce que je me dis, c'est la même personne, ça. Pardon. Ah, je sais pas, c'est un gars barbu. Après, si vous voulez aller voir, y'a pas de soucis. Non, non. Mais, le gars barbu de Blackwater. Le gars barbu de la le nuit. Gars bar... ouais, j'entends encore le cheval, hein. Oui, mais peut-être qu'il est en train d'essayer de chasser. Mais c'est un peu nul de chasser. Enfin, c'est... Déjà, s'il chasse des bisons, c'est pas la semaine où on a le droit de chasser les bisons. Enfin, ah, y a des semaines bien. Je sais pas. Oui, la première semaine du mois... Pour les bisons des plaines de Blackwater qui sont ici, on n'a pas le droit de les chasser pour laisser la période de reproduction. Ah, je croyais qu'il n'y avait pas le droit tout le temps. Non, ça c'est une époque où les natifs ils oui. disaient qu'ils voulaient pas qu'on chasse les bisons, mais... C'est passé ça? Non, non, maintenant on peut, ouais. D'accord. Bon après, faut pas les chasser à coups de pied, et ils m'ont dit on veut pas. À coups moi, de pied? Moi j'économisais un peu les flèches, ouais. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, un coup de pompe, oui. Voilà. D'accord. Malin, malin. Mais bon, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, tu fais avec l'arc, tout ça, machin. Oui, bah ça, c'est... Ça, c'est comme un peu tout, en fait. Hein. Que ce soit le bison ou les autres choses. Bah, et vous voyez que le voisin parque son cheval. Ah, j'allais vous demander si c'est votre deuxième moi, cheval. Non, non, pas du tout. C'est un cheval que je connais pas. Il ressemble d'ailleurs au cheval de... Daphne. Mmh. Elle non, l'a non, oublié. Je connais pas. Ah bah, elle va venir le reprendre. Oublie très courant ça. Oublie mon cheval chez toi. Elle était énormément ici non plus. Ah ouais, elle est où? Dès qu'elle était docteur, après elle restait à Armadio. Ah oui, c'est vrai que bon, ça fait une petite trotte sinon tous les jours. Oui, bon, moi si je travaillais à loin, ça me dérangerait pas d'affaires. Mais... Hmm. Histoire de dire qu'on habite là, quoi. Mais... Bah après, oui. C'est vrai que moi j'ai pas de chez moi, alors c'est facile, mais... si j'en avais un, ouais. Je pense que j'y passerais mes nuits, mais... Elle est vraiment bien entretenue, quand même. Il y en a plein qui sont pas entretenus comme ça, avec les petites fleurs devant, oui, mais... la petite, petite terrasse qui est toute propre... Après, je travaille un peu, ouais, je passe le balai quand il faut. Ah ben, ça se voit, bravo. Ah, il est un peu lourd des fois. Hop. voilà. C'est sûr. Non, non, voilà. Ah oui, vous... Voilà. Et puis, je... Balai passé, oui. Quoi. Ah oui, d'accord. Hop. Évidemment. Ah, ça s'entretient une baraque. Bon, ah, après, oui. J'ai peut-être un ou deux domestiques. Ah oui, d'accord. Monsieur a des domestiques. Ouais, Ils étaient vendus avec la maison. C'est ça. Ah, le petit personnel, voilà. Ouais, attaché oui. À l'établissement. Fait partie des meubles, maintenant. Oh, et puis la petite plante ici. Et c'est très design. Il est en train de. Et puis regardez. Il y a un petit truc à savoir. C'est que vous pouvez faire ça. Alors, hop. Et ensuite. Hop. Vas-y. D'accord, je vais essayer. Je promets rien. J'ai encore faim. J'ai encore faim. Alors. Là. Non. On va comme ça. Alors, c'est toute une technique parce que. Il faut d'abord monter sur le pot de fleurs, voilà. Maintenant, vous regardez à gauche. Vers le toit, non, non. Regardez vers le petit toit en triangulaire, de l'autre sens. Voilà. Et là, vous grimpez. Oh. Voilà. Oh. Il y a une autre plante. Là qui est pas mon ficus. Voilà. Vous n'avez pas pensé à installer une échelle?
un de ces quatre, ouais, je ferai. Il y a quelqu'un? Les aiguilles, hein, je connais pas. Oh, je crois que j'ai pété une tuile. Oui, c'est pas grave. Hop. Je peux pas, suivre. Bah. Oui. C'est comment ça? Qu'est-ce que vous faites sur un toit? Bah, c'est bizarre d'être sur. Ah, c'est oui, fou. Il me montrait la vue de chez lui. Mais bah, il n'y a pas d'échelle alors. J'ai mal. Pardon. Non. Vous avez pas changé de chemin? Après, fini, on voit très mal. Longtemps, la fois que je vous ai vu, vous étiez en. En sens. Acheter un nouveau poney. Non. Oh, mais il est beau, il est du rouge. Je vais l'entraîner. Vous voyez, très heureux de ça. Hein. Il a du rouge. Oui. C'est très mais beau. Mais oui, vous avez vu. Mais oui. On dirait un peu du feu, non? Ah bah oui, tout à fait. On dirait un cheval de flamme. De... Ah, parfait. J'ai appelé Bombo. Un petit peu, oui. En fait, on dirait qu'il y a du rouge, mais je sais pas si on verra bien avec ça. Ah oui, il est un peu cramé au niveau du cul. Non, mais pas que du cul. C'est marrant, ah oui, chacun sa façon de le dire. Voilà. Oui, là, bah là, oui. Avec de la lumière. Il est beau, hein. Il a le, oui, il a le ventre rouge. C'est pas passionné. De chevaux, non, pas trop, j'avoue. Mais non, ça va, il est bien. Il est pas les entraîner. Vous êtes qui déjà? Regardez-moi bien, j'ai que ça à foutre. Je sais pas, vous avez l'air d'avoir que ça à foutre. Mais je sais pas entraîner les chevaux. Donc, même que je voudrais. Non, non, même le mien, je. Super bien. Pas les miens. Mais quand j'essaie avec le mien et tout ça, j'arrive pas. Et boum, je boum. Me pète la gueule dedans. Viens là. Bah, je vais pas déranger ce rendez-vous sympathique sur les toits. Ah, c'était. On admirait la vue après une soirée à chasser. Voilà. Ah, j'avais jamais vu la maison de Monsieur Duke. Ah oui, la Denise elle allait dormir. Et moi, je vous avoue que je projetais peut-être d'aller faire de l'or tellement je savais pas quoi faire. De l'or? Ça m'intéresse, de l'or. Ma famille achète. Ah, votre famille achète de l'or? Oui. Ah bon? Oh. Elle achète quoi? Des pépites? Oui. Oh. Moi j'ai fait des pièces directement. Ah bah les pièces aussi on rachète. Vous mais préférez quoi, les pièces ou les pépites? Les pépites, on fait les pièces nous-mêmes souvent. Mais on est les vulcans et on fait de l'orpaillage. Ah d'accord. Mais vous rachetez combien? Oh, bah, moi je suis pas trop le cerveau de la famille donc faudrait que. vous passez souvent à Lesberg ou pas? Oula. Absolument jamais. Bon, bah, regardez le grand air ici, pourquoi on irait se casser le nez? Oui, bah. Je vais vous donner mon télégramme et comme ça, si jamais vous avez de l'or ou des pépites, et bah, vous m'en envoyez et puis je viens les chercher. Bah, faut voir combien, parce que bon. Ah, nous on prend des grosses quantités en général quand même. Ah oui, mais moi je suis tout seul, je suis pas. J'suis oui, pas un mais groupe. Ça se fait quand même, hein. Dans les bah après, ça dépend, je suis pas mauvais. Hein. Oh, mais ça, 200, c'est. 200, 250. Bah, j'en ai fait 250 hier. Ah bah, c'est parfait. En combien de temps vous avez fait ça? On va devenir meilleurs amis, monsieur Duke. Je les ai déjà foutus en pièces. Oui, mais en combien de temps? En 250, en 2 heures, un truc comme ça? Oui, c'est à peu près ça, ouais. Oui, d'accord. Et correct. Vous saviez que si vous les faisiez sur Guarma, vous pouvez avoir des rubis en plus, c'est que les rubis, ça se revend cher? Oui, parce que ça fait 4 mois et demi que je suis là quand même, donc je vous avoue. Ah bah excusez-moi, monsieur. Monsieur Miles. Attention, vous allez le vexer là. Ouais, bah il vexe. Moi ça fait une semaine que je suis là, monsieur, donc. Oh bah bienvenue. Ah, bah, oui, bah merci. Bon, je peux pas trop parler. Mon télégramme c'est HW. C'est vous, monsieur. 156. Bonjour. Comment je m'appelle? HW 156. Oui. Ça vous dérange si je donne un aussi? Non, non, allez-y, bah si vous faites de l'or. Oui, j'en fais aussi. Ah bah parfait, faites-en ensemble. Si vous vous mariez avec Isaiah Gold, vous deviendriez Ruby Gold. Alors c'est... Bon, je suis déjà mariée déjà, et deux, je suis en train de le... Comment dire, de le recruter là. Qui Isaiah? Oui, vous parlez bien du médecin. Oui, celui qui a une coupe de cheveux rigolote depuis aujourd'hui. Là. Bah justement, il a la même coupe de cheveux que mon mari et mes frères, et du coup je lui ai dit que c'est bon, il pouvait... J'allais dire... Ouais, vous avez bien fait de fermer votre gueule.
Et du coup, il me dit, bah, je me marie avec la Marshall et après je vous rejoins. Donc, en processus, ah bon, ça a l'air. Alors, c'est un plan un peu bizarre de se marier avec une Marshall, de rejoindre un. Bah, pour que ce soit plus cool. Je vais le quitter, quoi. Enfin, je crois, j'en sais rien, je suis pas dans cette tête. Vous avez eu un petit chat dans la gorge, on a pas bien entendu. Oui, c'est possible. Pour quitter qui? Ah, ce sera plus difficile pour elle de le quitter s'ils sont mariés. Même s'il devient. C'est un beau, c'est un beau plan de couple. Hein, ça, je... Écoutez, vous vous penserez, c'est pas mon plan, moi. On se marie comme ça, et puis après, je fais un truc qu'elle aime pas comme ça. Au moins, je me marie avant, comme ça, elle me dégage pas. Ça s'appelle une prise d'attache. Vous êtes marié, monsieur Ray? Je l'ai été. J'allais dire, donnez pas de conseils, du coup, mais bon. Je suis veuf, mais bon. Bon, allez, c'était une bonne faute, discussion. Voilà. Eh bien, contactez-moi. Ruby Swain. Ouais, pourquoi pas. Ruby Swain. Eh bien, la bonne soirée. Mais c'est bonne vous soirée. Qui faisiez des allers-retours? Oh, non. Moi? Non. Bah non, c'est un barbu. Bah non, elle n'a pas beaucoup de barbe, la dame. Pas trop, non. Enfin, j'espère. C'est vrai. Non, j'avais pas vu que la couverture que je lui ai mis, et c'est bleu, putain. On voit rien dans leurs écuries de merde. Bon, allez, bonne soirée. C'est vrai que ça va pas du bonne tout. Bonne soirée. Vous parlez de mariage il y a un instant. Oui. Vous êtes intéressé par une bague? Alors, $50. Alors déjà, $50 une bague, bon. Bah, elle est belle, c'est un diamant. Celle que j'avais offert en... Même celle que j'avais offert à ma fiancée la dernière fois, elle coûtait pas $50. Mais... Bah, c'est... Non, non, mais alors, je vous avoue que j'ai pas... mais je n'ai pas de personne dans ma vie. Voilà. Mais j'ai entendu mariage, pour l'instant. Pour ça. Ah oui, non, mais moi c'était mariage il y a 35 ans et elle est morte. Oui, il a dit qu'il était veuf, donc. Je vous l'avais raconté, il me semble. Qui plus est. Vous êtes attentif, vous. Ah non, mais bon. Mais comment ça, une bague à $50, elle est en diamant pur, c'est ça? Ah oui, diamant pur, mais attention, elle brille. Ah oui. Il y a un doigt de mort encore dessus. Regardez. Il l'avait acheté. La bague que j'ai sur, moi, sur ma main, là. Regardez comme elle brille. Ah ouais. Eh ben, celle que je vais vous donner est presque comme ça. Mais encore mieux. D'accord. Eh ben. Mais alors, vous avez dit le mot donner, par contre. Oui. Remarquez. J'y suis témoin. Vendre. Vendre, vendre, bien sûr. Ah. Ben non, bah, pour le vie, coup. Ah ben, alors. Faites pas un échantillon gratuit. J'ai promis à vous donner de l'argent, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous avoue que. Bah, j'ai pas l'utilité d'une bague là tout de suite, et puis je suis un peu vacciné là pour l'instant pendant un moment. Ah, c'était une proposition, écoutez. J'ai entendu mariage, ça m'a titillé l'oreille. Bien, c'est bien gentil de proposer une ristourne d'amis en plus. Y'a pas de soucis, ouais, y'a pas de soucis. On a $50 pour une bague. Écoutez. Mais non, non. Si vous la voyez, vous comprendrez. Eh bah, écoutez, si vous me voyez. Vous voulez pas vous faire un beau cadeau, monsieur Duke? Une petite bague pour vous-même. Est-ce que l'important c'est de s'aimer soi-même? Je pense qu'elle ira pas sur son doigt. Est-ce que je suis arrivé à ce moment dans ma vie où j'ai vraiment autant pas d'amour pour m'offrir moi-même une bague? Je sais pas. Je vous avoue que. Faut se faire plaisir parfois, monsieur Ray. C'est chez vous ça, la maison? Non. Non. Si, si, c'est chez moi. Ah bah écoutez, vous avez les moyens de vous payer ça, vous avez les moyens de vous payer une petite bague quand même. Ouais, je me doutais bien. Bah disons que ça c'est le prix de 6 bagues quoi. C'est... Bah oui, mais vous avez pas vu la bague. Bien plus bien que 6 bagues. Oui, oui. Oui. Je plaisantais. Bon, si jamais vous en voulez, vous me trouverez un coin de rue à jouer de la trompette. D'accord, d'accord. Je vous avoue, je connais bijoutier d'Armadive aussi. Hein. Ça peut aider. Ouais, mais c'est un arnaqueur celui-là. Ah bon? Je lui demanderai si c'est un arnaqueur. Non, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, je sais rien. Je connais pas le monsieur. Non, mais écoutez, on m'a vendu cette bague à $10. J'essaie de me faire un petit billet là-dessus. Oh, bah ouais, c'est cool. Eh ouais, on fait un petit x5 là-dessus, là. Ouais, bah écoute. C'est déjà de la revendre à $10. Hein. Ce sera déjà pas mal, hein. Je vous le dis. Hein. Je pense. Ouais. Mais j'ai peut-être trouvé un pigeon, un client. Un intéressé, ouais. Un monsieur qui va se marier avec une dame. On m'avait engagé pour... Bah tiens, on n'a pas une petite idée de qui c'est. C'est Albert, là, qui va se marier, c'est ça, non? Non, il s'appelle Balbert, attendez. Ah bon?
Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus, écoutez. J'ai une mémoire vraiment défaillante. Oui, moi aussi. Pour vous dire, il s'appelle Albert, son nom de famille, je me rappelle pas là tout de suite, parce que, alors que ça fait 4 mois que je le connais. Quoi. Ah oui. Oui, parce qu'on l'appelle Panthère, là, d'habitude. Panthère. Albert Panthère, oui. C'est... Ça rime. Albert Panthère. un super nom de scène. Ah, c'est parce que c'est un trappeur. Il a une capuche de panthère. Ah, il l'a tout le temps? Même maintenant, il l'a assez souvent. Ouais. Bien qu'il ait plus beaucoup de trappeurs. J'ai déjà dû le croiser. Oui, sur Blackwater. C'est le, c'est le mari de la mère adjointe. Ah, oh, mais oui, d'accord. Oui, je vois mieux. Oui. Ah, la mère adjointe, je l'ai croisée. Comment s'appelle? Price? Non. Price? Oui. Price, c'est ça? Elle est en partie sur Price. Ouais. C'est ça. Oui, très gentil, très gentil. Oui, ils sont très gentils, c'est adorable. Mais... Oui, mère et mère adjointe, pas de soucis. Par contre, le maire, je l'ai jamais croisé. Oh, bah, il est là encore ce soir. Ulysse, ah ouais? Ouais, non, pas encore. Mais c'est bon. Pas forcément très, très oui, tard, voilà. Vers 1h du matin, en général, il commence à décoller. Oui. Ah oui, on est voir plus tôt. En général, entre 5h et, et minuit ou 23h. Oui, voilà. Un homme sérieux. Mmh. Ah, bah oui. La Wivi, comme on dit. Moi, je peux dire que c'est le meilleur maire qu'on a vu. Mais il me semble que ça fait un bout de temps qu'il est établi comme maire là. Oh, bon. Par rapport aux autres, oui, c'est vrai. Si, par rapport aux autres. C'est possiblement le plus long pour l'instant. Ouais. Mais je trouve que c'est aussi le plus. Le meilleur maire qu'on a eu. Il y a vraiment. Il n'y a rien à redire en fait. Mm-hmm. Eh ben, j'ai hâte de mais c'est surtout que déjà, comme lui, il avait connu deux maires auparavant. Je parle pas très qu'est-ce que j'ai dit qui est rigolo? Comme il a connu deux maires auparavant. C'est que j'imagine en fait qu'il a vu les erreurs à pas faire, quoi. C'est bon. Je sais pas si c'est très. Alors, déjà, les erreurs à pas faire. Et en plus, non, mais je pense qu'il a été sans se dire qu'il allait révolutionner la chose. Il savait où ne pas aller aussi, peut-être. Il savait à quoi s'attendre et bon, il sait que y a pas forcément, on peut pas tout faire quand on est maire et pas s'attendre à changer radicalement certaines choses. Après, il a eu de très bonnes idées que les autres n'ont pas eues. Hein. Je vois. Et vous, madame, je crois pas qu'on ait eu le plaisir de se rencontrer encore. Tout à fait, moi c'est Denise Duval. Denise Duval, très bien. Vous êtes intéressée par une bague, madame Duval? Vous voulez me demander en mariage? Non, mais non, ça serait gratuit. C'est pas... Non. Je perds de l'argent à moi, là-dessus, madame Dumas. Bon. Moi, j'allais me rendre à Blackwater pour acheter mon premier revolver. Oh. J'en ai marre de me faire bouffer le cul par des loups. Ah oui, je voulais pas d'armes, mais bon, qu'est-ce j'en ai marre. Que vous allez acheter? Prenez par Cattleman. Hein. Bah, c'est. Bah, pourquoi pas? Oh, pas contre des loups. Oui, si, des loups à la limite. Mais même les loups, Cattleman, c'est pas. C'est pour leur faire peur. Enfin, prenez. Après. Oui. Bon. Une petite machette, je vous dis que les loups, leur fait peur. Hein. J'ai déjà dit, monsieur Duc. Hein. Vous avez deux armes. J'en ai aucune. Ah, bah, il y en a une qui a fait $350 et l'autre a fait 140. Ah, bah, l'autre alors, c'est pas grave. Contre une bague. On fait une arme, une bague. Une arme, une bague. Ça, c'est ça. Si vous voulez, je peux vous dépanner d'un arc. Non, j'en ai déjà un. Mais je suis complètement mauvais avec. Je crois que c'est l'autre arme que j'avais, je l'ai donné à mon ex-fiancé. Donc. Ah, le mat. C'est la dame d'Armadio, ça. Oui, Daphné. Ouais. Très bien. Bon, je ne vous dérange pas plus, je vais aller acheter un... Comment vous avez dit, Cattleman. Ouais, c'est $14. Après, là, l'armurerie de Blackwater, elle n'est pas toujours très bien fournie, donc je sais pas s'il y en aura. Mais... Je vais aller voir ça. Bonne soirée, d'accord. Madame Duval. Et bah, bonne soirée. Bonne chance pour votre bague. Oui, merci. Il y a quelque chose là-bas. Non, si c'est pas. Et bah, de quoi? Je sais pas, comme c'est ça pas se déplace, je me demande si c'est pas un cougar, mais sinon ça peut être c'est juste un renard. Un renard argenté, d'ici je le vois. Ouais. Un renard argenté, d'accord.
Ouais. Qui se déplaçait tout doucement. Oui, oui. Mais non, je, ouais, les, le cougar. Aussi, ça peut arriver qu'il arrive jusque-là, mais c'est vraiment long. Ah, et rappelez-vous la règle. Il fait un peu jour quand même. Bouf. Un peu. Un peu. Il est juste midi, quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça. J'avoue que là, il aurait bien traîné quand même. Oui, bon, c'est vrai. Oui. Vous avez l'œil. Vous avez l'œil. Et du coup, non, c'est. Ben, je m'attendais pas du tout à voir des gens. Je vous avoue. Oui, qui viennent faire du porte-à-porte. C'est bien, ouais. on vient à vous. C'est ça, mais ils viennent que pour me proposer des plans. Après, vous avez tous les démarcheurs de la région, de ouais. C'est... Je passe de l'or, l'autre, il veut que j'achète, mais il veut m'excroquer avec sa bague minable. Il n'y a aucune bague dans l'état qui coûte 50 dollars, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Ah oui, dans 10 dollars, c'est 50 dollars. À mon avis, la bague qu'il allait me sortir, je crois que ma fille en a eu 5 pour 10 dollars. Donc, après, j'avoue que j'avais acheté celle pour Daphné 10 dollars, mais. Oui, pour le geste, oui. Oui, voilà, histoire de ne pas avoir quelque chose de ridicule, mais bon, en dehors de ça, mettre 50 dollars dans une bague. Oui, voilà. Parce que bon, une bague de fiancée, on va pas mettre non plus 1,50 $. Mais... Oui. Ah bon, 50 dollars quand même, mais. Ah, tu... Non, mais en vrai, en soi, si on me l'expertise à 50 dollars, ça me dérange pas de payer une bague de mariage à 50 dollars. C'est pas une somme horrible, mais là, ça vague et vaut 10 dollars, quoi. Non, ça va pas. Et encore, je pense qu'à 10 dollars, il s'est fait arnaquer. Mais... Oui, je pense aussi. Parce qu'il disait qu'il en avait eu une à 50 dollars. Ou alors, on essaie de refendre un paquet. Ça se trouve, il a fait un cimetière en plus. Hein, parce que... Oui, c'est ce que me disait Prosper. On trouve des bijoux dans les cimetières. Bah, oui, ouais, mais c'est illégal par contre. Bah, il a rien dit alors. Après, je suis pas chérif. Non, bah, non, mais ça. Vous pouvez fouiller les cimetières à votre convenance. Hein, moi, je le dis, je suis pas chérif. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais bon. Pas à mode. C'est pas les morts que vous allez déranger plus que ça non plus. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'à ce moment, au bout d'un moment, on a vu, hein, les tombes totalement effacées. Bon, il reste plus que des bijoux, quoi. Oui, voilà. Ça n'a pas manqué à grand monde, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, etc. Exactement. Eh bien, écoutez, merci, ce fut une très bonne journée. Ça m'a bien plu. Bah, y'a pas de problème. Et puis, je vais admirer la vue derrière et... Chambre. Ah, vous pouvez... Mais bien sûr. Mais je ne savais pas. Alors, voilà, il va falloir... plus ou moins, mais... On va rentrer, je vais vous montrer une chambre et puis vous pourrez dormir chez moi. D'accord, oui, ok. Voilà. Oui, c'est bien, j'avais bien compris, d'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, y'a pas de problème. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Hop là. Et voilà, c'est ainsi qu'on arrête la VOD des bisous VOD. C'était sympa.